Nous restons à Sia, où les entrepreneurs touristiques sont outillés sur leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Une initiative de la Direction générale du tourisme en collaboration avec la cellule nationale de traitement de l'information financière. Les deux parties veulent faire de ces assujettis du tourisme des alliés dans la lutte engagée pour l'assèchement des sources de financement des groupes armés terroristes au Burkina Faso. De Bobo Dioulasso, le compte rendu de Betty Bienaon et Adama Julien Dambélé. La lutte contre le terrorisme passe également par l'assèchement de ses sources de financement. Et les secteurs non financiers, tels le tourisme, doivent être pris en compte dans le dispositif afin d'éviter leur implication dans le blanchiment de capitaux. C'est tout l'intérêt de cet atelier de sensibilisation initié au profit des entrepreneurs touristiques de la ville de Bobo Dioulasso par la Direction générale du tourisme, en collaboration avec la cellule nationale de traitement de l'information financière. Lorsqu'on parle de blanchiment, ce sont des capitaux qui sont illégaux et qui sont utilisés donc pour noyer l'origine donc de ces sources. Du coup, les intéressés ne cherchent pas coûte que coûte donc des bénéfices et ils font la concurrence déloyale donc aux hôteliers, aux promoteurs donc qui sont installés de façon légale, qui payent donc des charges relatives donc à leur activité. À terme, ces assujettis du secteur du tourisme devront respecter leurs obligations déclaratives conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On portera toute notre aide afin que le Burkina puisse se retrouver dans un contexte sécuritaire favorable et que les acteurs du tourisme aussi puissent tirer leur épingle du jeu. Deux ateliers similaires sont prévus les jours à venir au profit des entrepreneurs touristiques des villes de Koudougou et Ouagadougou. L'objectif étant de sensibiliser le maximum d'acteurs du dit domaine en vue de leur implication effective dans le processus de conformité du pays aux standards internationaux en matière de blanchiment de capitaux.